Tu as tellement grandi. Bah ça, c'est parce que je bois plein de lait et aussi parce que je fais une sieste tous les après-midi. Et mon père m'a dit que c'est comme ça que je deviendrai un grand garçon. Et aussi que je deviendrai assez costaud pour assommer Carlo, parce que c'est une grosse brute et qui mérite une bonne correction. Vraiment? Oh, j'avais complètement oublié. J'ai apporté un cadeau pour toi. Tiens, regarde. Wow. Vas-y, ouvre-le. Caloy. Oui? Est-ce que je pourrais te prendre dans mes bras? Pas de problème. Viens. Hé, Caloy. Mais enfin, je t'ai cherché partout. Mais papa. Je t'ai déjà dit de ne mais pas parler aux étrangers. J'étais vraiment inquiet à ton sujet. Ne me refais plus jamais ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Allô, Chloé? Tu peux venir avec moi? C'est pour voir ma mère. Tu es prêt? Caloy, je veux juste que tu saches que je suis très fière que tu fasses ça. Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi. Caloy, on dirait que ta mère a de l'argent. Caloy? On a préparé à manger pour vous. Vous voulez manger quelque chose? Non, on n'a pas faim. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis désolée. Voulez-vous nous excuser un moment, je vous prie? Bien sûr. Eh bien, elle a l'air gentille. Est-ce que c'est ta petite amie? Vous parlez de Chloé? Oui, si on veut. Merci, monsieur. Je crois qu'on s'est déjà rencontrés au club de combat. Alors, vous êtes la petite amie de Caloy? Eh bien, en quelque sorte, on peut dire ça. Et vous, est-ce que vous êtes le mari de sa mère? Tu n'es pas obligée de vivre comme tu le fais. Salvador m'a dit à quel point ta vie était difficile jusqu'à présent. Je me suis sentie tellement coupable quand je l'ai appris. Je vais bien. Tu n'as pas à te sentir coupable. Tu n'es plus du tout obligé de vivre ainsi, Caloy. Tu n'as plus à habiter dans une chambre surpeuplée ou à te débrouiller pour manger et tout ça. Tu n'as plus à faire le porteur ou à échanger des coups juste pour gagner un peu d'argent. Je suis là pour toi à présent. Je te promets que je vais me rattraper. Non. Tu sais, Carmen est très riche.
Je suis juste en garde du corps. Oui, Kaloy m'a dit qu'elle l'était. Mais il m'a aussi dit que... qu'elle l'avait abandonné. Je ne comprends pas bien ce qui est arrivé, mais... En vérité, Chloé, à un certain point de notre histoire, nous faisons tous... des choses qui ne sont pas claires, même pour nous. Je suis revenue pour toi, mon fils. Tout ce qui m'appartient est aussi à toi. Mais c'est absurde. Tu ne me dois rien. Et même si c'est le cas, mon père s'en est chargé. Même si tu es parti, je n'ai jamais manqué de rien. Alors tu peux retourner à ta propre vie. Je n'ai pas vraiment besoin de toi. Mais j'ai changé, Kaloy. Je voulais être avec toi depuis si longtemps. Je veux être une mère pour toi. Maintenant que je t'ai retrouvée... j'espère vraiment que tu pourras me pardonner. Je veux que tu viennes avec moi. Tu dois laisser tout ça derrière toi et venir habiter avec moi. Je suis vraiment désolé, Carmen. Mais je ne peux pas faire ce que tu souhaites. Je ne peux pas quitter les gens qui tiennent à moi tout d'un coup. Kaloy, attends, s'il te plaît, on doit en discuter. De quoi d'autre tu veux discuter? Tu ne te rappelles pas? Tu m'as abandonné du jour au lendemain quand j'étais petit. Et ce n'est pas parce que maintenant tu veux être une mère que moi j'ai envie d'être ton fils. Je suis passé aujourd'hui juste pour te dire ça. Chloé, on y va. Excusez-moi, monsieur. Kaloy! Elle revient dans ma vie et se comporte comme si elle n'avait rien à se reprocher. Et après, elle veut me reprendre. Kaloy, essaie de l'écouter. C'est toujours ta mère. C'est toi qui as fait ça, les poneys. Puis-je vous dire, d'où mes fabuleux amis sont venus me voir. Quel plaisir de vous voir. Je vous ai manqué, bien sûr, hein. Tu nous as manqué. Vous m'avez manqué. Alors, aussi. Ma chère, pourquoi nous avoir invités? Oui, c'est vrai, pourquoi tu nous as invités? Tu dois sans doute avoir des ragots bien croustillants à nous raconter. Allez, les amis, qu'y a-t-il de mal à ce que mes amis me manquent? Quoi qu'il en soit, le dîner est servi. D'accord, okay. Venez, allez, passons à la salle à manger. À table. Plus vite. Ok. Regardez, alors. Kay. Tu ne portes pas de talons, d'habitude. J'avais l'impression que tu avais grandi. Lentement, mais sûrement. Vous allez adorer le repas. Oh, je l'ai cuisiné moi-même. Oh, j'adore ce plat. Tu connais mes goûts. Bien, ça a l'air délicieux, en tout cas. Mais attends, Vera, on s'est vu il y a quelques jours et on te manque déjà? Serais-tu en train de mourir d'ennui? C'est bon, je te comprends. Pourquoi ne pas commencer par chercher un nouveau travail ou un nouveau projet? Allons, les amis, laissez-moi tranquille avec ça. J'ai faim, mangeons. Elle a raison, allons manger. Nous parlerons de ça pendant le dîner, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu connaisses mon plat préféré. Je vais appeler quelqu'un pour le service. Vous savez, les amis, je veux juste rattraper le temps perdu avec vous. Vous m'avez manqué. Et je veux que nous parlions de ce qui s'est produit pendant la réunion. Vous vous rappelez? L'autre jour. Oui, tu n'étais pas là. Tu l'as raté. Tu sais, son discours a laissé tout le monde bouche bée. Cette fille a beaucoup d'avenir. N'est-ce ça, pas? Ça, c'est étrange, Vera. Oui, c'est vrai. Ça m'étonne. Depuis quand admires-tu quelqu'un d'autre que toi? Bien sûr, vous savez quoi? Je serai franche. J'ai toujours cru en cette fille. Au moment où elle a franchi la porte de mon atelier, j'ai su qu'elle avait du talent. Et ça n'engage que moi, mais Jelai est l'avenir de la mode philippine. Je suis d'accord. Oui. Et je crois vraiment qu'elle a le genre de talent que nous devrions soutenir. Pas un talent égocentrique genre Madame Je sais tout. Je déteste ça. Qui? Oh, qui par exemple? Je vous laisse lire entre les lignes. Oh. J'ai ma petite idée de qui elle veut parler.
Je vois qui ça peut être. Moi aussi. Hé, hey, tu vas bien? Ça fait un moment qu'on est garé ici. Tu veux rentrer à la maison? Quoi? Depuis quand est-ce que je ne vais pas bien? Tant que je suis avec toi, tout va bien. Merci, Chloé. Mais pourquoi? Ta présence. Tu es avec moi tout le temps. Pas de problème. Tu te rattraperas plus tard. En fait, j'allais te demander un service. Qu'est-ce que c'est? Chloé, je ne peux pas enlever mes vêtements. Pas aujourd'hui, je t'en supplie. Mais non, tu es débile. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste te demander de m'accompagner demain. Pourquoi tu rigoles? Où on va aller? Je suis nerveux maintenant. Eh bien, la marque V va faire une grande soirée d'ouverture demain. Et je veux que tu sois mon cavalier. Non, c'est dommage. Je ne suis pas habituée aux événements mondains de ce genre. Je deviens nerveux. En plus, elle risque d'être là. Jelai, je comprends. Je me disais juste que je suis venue plusieurs fois. Plusieurs fois avec toi et tes amis et j'aimerais que tu découvres mon monde aussi. Je vais essayer. Oh, le projet était si dur. Je suis tellement contente de pouvoir rentrer à la maison. J'ai juste envie de me détendre dans un bon bain. Oh oui, un bon bain. Ah, et me faire un plateau repas devant la télé. Ah ouais, c'est ça. Ça va être super, j'ai hâte de rentrer. Ah, quelle journée. Remettra ça. Ah, mais oui, promettez-moi de revenir, d'accord? Bien sûr. En tout cas, on s'est bien amusé, oh, n'est-ce pas, les enfants? C'est vrai. Merci. Oh, à propos, les fabuleuse. Amis, n'oubliez Super. Pas, gardez à l'esprit tout ce que je vous ai dit ce soir, d'accord? Je vous dis que Jela ira loin, je le sais. Oui, je pense mais que oui, tu as raison. Bien sûr. Je sais. Ce ne serait bon, pas Chloé, là-bas? Non, mais tu as vu. Donc, t'es divine, Vera Kies. Il a l'air plutôt mignon. C'est ton gendre? Tu sais ce que je pense? On dirait que ta fille tient de toi. Oh. Excusez-moi. C'est trop mignon. Sourcils droits. Oh, regarde-la. C'est vrai qu'il est mignon.
Regardez, regardez. Chloé ? Ah mon Dieu ! Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Vous êtes dégoûtants ! Allez, viens ici. Attendez, attendez un peu. Ne brutalisez pas Chloé comme ça, s'il vous plaît. T'approche pas. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ma fille. Je connais les mecs dans ton genre. Tu es une tête brûlée qui croit qu'il va toucher le pactole en séduisant une fille de riche. Eh bien, c'est pas pour cette fois. Maman, la prochaine fois, choisis mieux ton pigeon. Parce que je pourrais te faire encore arrêter. Et cette fois, je m'assurerai que tu pourrisses en prison pour de bon. Jusqu'à ce que tu finisses par regretter d'avoir rencontré ma fille un jour. Viens, Chloé. Comment oses-tu faire ça devant notre maison, sale traînée ? Quelle violence ! Non. Dis-moi, pourquoi tu ne prendrais pas soin de lui, non, mais Richard ? Pourquoi toi, tu ne l'adoptes c'est vrai, pas, ça, René, vous iriez bien ensemble, tous les deux. Vous savez, les travaux de bienfaisance, ce n'est pas du tout mon truc. Bonjour, Manuel. Voici la robe, mais elle n'est pas encore complètement terminée. Ah, c'est gênant. Waouh, c'est génial. C'est magnifique. Merci. Tu sais, Jelai, tu es vraiment une styliste de talent. Je t'ai admiré dès l'instant où je t'ai rencontré. C'est pour ça que je t'ai défendu contre Vera, quand elle t'a presque renvoyé. Ah oui, c'est vrai, je pense pas vous avoir assez remercié pour ce geste d'une extrême bonté. Merci beaucoup, Manuel. Je sais que vous êtes la raison pour laquelle j'ai été embauchée au début et aussi merci de continuer à me défendre jusqu'à maintenant. Merci infiniment. Eh bien, c'est parce que j'ai un bon pressentiment te concernant. Je sens que tu es une très bonne personne. Et cette robe, je sens qu'elle ne peut que venir du cœur de quelqu'un de fondamentalement bon. Vous vous rappelez quand vous m'avez conseillé de penser à la personne que j'aime le plus au monde ? Eh bien, c'est ce que j'ai fait quand je pensais à... Quand je pensais à la personne que j'aime le plus, je pensais à ma grande sœur. J'imagine qu'elle était là et qu'elle allait porter ma création. Et aussi qu'elle était fière de moi. Et qu'un jour on sera réunis et on accomplira nos rêves comme on l'avait prévu autrefois. Pourquoi pleures-tu ? Ah. Pardon, c'est embarrassant. Non, excusez mon comportement, je deviens vraiment sentimentale quand je commence à parler de ma grande sœur. Je suis vraiment désolée. Je ne veux pas mettre le nez dans ta vie personnelle. Mais où est ta sœur ? Ça, j'en ai aucune idée. Je la cherche depuis longtemps, maintenant. Mais on s'est perdu de vue depuis que notre mère est morte et qu'on a été séparés l'une de l'autre. Mais pourquoi, dis-moi, comment ta sœur et toi avez été séparés ? Quand j'étais toute petite, je suis tombée malade. Et malheureusement, l'hôpital où j'ai été transportée a soudainement brûlé. Ma sœur m'a promis... Elle m'a promis qu'elle reviendrait me chercher. Mais peut-être que quand elle est revenue, elle a cru que je faisais partie des victimes. Et puis un jour, un homme m'a trouvée dans une ruelle. J'ai trouvé une nouvelle famille. Mais je sais au fond de mon cœur que ma sœur n'est pas loin. Et qu'elle me cherche elle aussi.
Je le sais parce qu'elle a dit qu'elle reviendrait me chercher. Elle m'a fait une promesse ce jour-là. Ma sœur reviendra me chercher. Anna va revenir, c'est sûr. Est-ce que ça a un rapport avec Louis ? Tu n'es qu'une minable remplaçante. Vera, qu'est-ce que ça veut dire ? Réponds-moi.